Je suis même un peu d'humeur ce matin. Ouais, la famille. La déception est énorme. On sait toutes et tous qui a gagné ce soir entre Francis Ngannou et Tyson Fury. Celui qui a fait honneur à tout un continent, c'est Francis Ngannou. Regarde cette photo, Francis. Avec Tyson Fury et Francis Ngannou qui n'avait pas le cardio hier. Je suis dépassé. La seule image de ce combat. L'homme qui tape les gens pour vivre. Premier combat en professionnel. Et pourtant, il a tout donné sur le ring. Et il a fait honneur aux Camerounais. T'as mis la barre haute, super haute. Tu as mis le pays haut, super haut. Wallahi billahi tallahi, ma déception est énorme. Francis Ngannou. When I say Francis, you say Ngannou. Francis Ngannou. Francis Ngannou. Le mot que je peux donner ici pour qualifier cela ne peut même pas se retrouver dans le dictionnaire. Ils peuvent donner tout ce qu'ils veulent à Tyson Fury, mais nous, notre champion, c'est tout simplement Francis Ngannou. Il a fait honneur aux Français, il a fait honneur à toute l'Afrique. Le seul qui a mis l'autre au tapis, c'est Francis Ngannou. On a vu Tyson Fury aller arrêter les corps de chaque temps. On a vu Tyson Fury embrasser Francis Ngannou comme si c'était sa femme. Vous ne pouvez pas parler du cardio. Francis Ngannou a eu tout le cardio hier. Tout était parfait, cousin, millimétré, point par point, cousin. Ils n'étaient pas prêts. L'arbitre n'était pas prêt, le public n'était pas prêt, Riyad n'était pas prêt, le monde lui-même n'était pas prêt, Francis Ngannou. Aux yeux de tout le monde, du premier au dixième round, Fury Tyson n'a pas pu donner un coup de poing inquiétant à Ngannou. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Bon, ils se sont basés sur quoi pour prendre cette décision? Papa, le gars était couché par terre. C'est que quand Tyson Fury s'est couché par terre, c'était comme si le bus l'avait cogné. Francis Ngannou a fait tout, donc il a joué tout le match hier. Il est resté droit, comme un prédateur sur le ring. Jamais il n'a flanché. Fury a été donné gagnant par les arbitres. Faut dire merci aux arbitres. Même toi, qui n'aime pas Francis Ngannou, tu sais que c'est Francis Ngannou qui a gagné ce soir. Mais ils se sont basés sur quoi? Ouais. Si tu es ancien sur la page, partage la vidéo. Si tu es nouveau, abonne-toi. Ok. Ils savent qui a gagné ce combat. Ils savent qui a gagné ce combat. Qui aurait cru qu'Ngannou allait tenir comme ça face à Fury? Ngannou l'a renversé combien de fois? Avec des coups de poing. Regardez le visage de Ngannou. Vous regardez le visage de Fury Tyson. Il n'avait même pas un peu son niveau. Mais Francis Ngannou a gagné aux yeux du monde entier. Mais comme la tricherie, c'est la tricherie, on a donné à Tyson Fury pour ce qu'il a gagné. Même jubilé, Tyson Fury n'a pas jubilé. Il a fait quoi? Même après les 10 rounds, Tyson Fury, il savait très bien qu'il n'avait pas gagné. Parce que d'habitude et tout, quand il a gagné, tu le fais, c'est malin. Mais aujourd'hui, il était calme. Oh, mais tu connais comment fonctionne le business. Tu as gagné sur tous les points. Et tu as gagné même sur ce combat-là. Champion du monde de poids lourd, Francis Ngannou, son premier gros combat en boxe anglaise contre le champion du monde de poids lourd. Il faut savoir que cet homme, il est parti du Cameroun. Il a traversé l'Afrique. Il est venu en France pour apprendre à gagner son pain en tapant les gens. En étant un combattant, il a régné sur l'UFC et il est monté sur un ring avec le champion du monde des poids lourds et il l'a mis au tapis. Ça, c'est un homme, un vrai. Félicitations. Félicitations, c'est bien ça. On a compris. Il n'y a aucune raison de pleurer. Tu étais parfait. Surtout, tu ne savais juste pas que les règles, c'était qui perd gagne. Jubilé, Tyson Fury n'a pas jubilé parce que même au fond, lui savait que Francis Ngannou a gagné. Mais comment on ne peut pas laisser un amateur venir gagner devant un champion? Ça devait faire un peu, ça devait mettre au sport en doute. Et c'était logique. Ils n'étaient pas prêts. Ils n'étaient pas prêts à recevoir le continent. Et c'est de ça dont je vous parle tous les jours, les enfants. Vous ne connaissez pas votre force. Vaut mieux perdre. Parce qu'en même temps, on a eu le choix. Soit ils nous volaient notre victoire, soit ils nous volaient notre champion. Jusqu'à ce que tout le monde se disait, mais non, c'est fini pour lui. C'est fini pour lui. Même lui, je vous assure à 100%, il sait très bien au fond de lui-même que c'est Francis Ngannou qui a gagné. Tout le monde sait, oui on sait, c'est du business et tout. En fait, pour moi, le classement, ce n'est rien pour moi. Moi, je ne cala même pas ça. C'est pas le mérite. Ça veut dire que c'est un champion du monde, mais il n'a pas de mérite. On comprend maintenant. On va dire 34 combats, pas de match. Il n'a jamais perdu un combat. Si c'est le genre de combat, si ça ne sert à rien. On a vu deux options. Soit Francis Ngannou devenait un petit gars qui est devenu américain, qui a déjà le drapeau américain. Donc, et il le faisait gagner parce qu'il est devenu américain. Parce que la seule raison pour laquelle Francis Ngannou n'a pas gagné, parce que c'est le business. Et que le monde n'est pas encore prêt à voir le continent à sa place originale. Juste un instant pub et on se fera après. Ok. Voilà, cher Bengis, désormais faites comme Franco quand vous arrivez au pays.
Lavez vos habits chez Mr. Kling. Mr. Kling est le meilleur pressing dans la ville de Yaoundé. Désormais, pour tous vos problèmes de ménage, les chaussures, les habits, les moquettes, les tapis, dirigez-vous directement chez Mr. Kling. Mr. Kling est situé à Ngousso, face Total, à Emana, face Mesafi, à Bastos, Carrefour, Moto Georges, village des jeunes au niveau des Tétates, Biemassi, immeuble Express Union, Oja, avant l'entrée du collège Adventiste, Kwaban, avant Santa Lucia, venant de Mimboman, Abia, descendre Pharmacie du Soleil. Ok, continue. Nganou s'est battu comme un lion. Il n'est pas allé au sol, il n'est pas allé au tapis. On est tous d'accord pour dire que Francis Nganou, ce soir, a rendu fier tous ses supporters. 37 ans, sur un ring pour la première fois de boxe anglaise. Et il a tout donné face au meilleur de sa discipline. Tout le monde sait que c'est Francis Nganou qui a gagné. En plus de cela, Francis Nganou, ce n'était même pas un boxeur. C'est un gars qui faisait de la MMA. Tu vois, il vient combattre ce gars-là. Et puis ce gars a du mal contre Francis Nganou. Le coup de poing que Nganou lui a donné, il est tombé. Les yeux, même à un moment, il voulait dormir. Et puis il revient. Lui-même, il ne savait pas qu'on pouvait lui donner. Ce combat devait être en sa faveur. Parce que quand on signe le dernier round, il se lève, il descend, il sait quand même que... C'est-à-dire, il savait que non, il a perdu. Franchement, même Tyson Fury, il doit avoir honte. Tout, même Tyson Fury, vous avez vu son visage. Vous avez vu l'expression. Il a dit, merde, c'est pourquoi c'est à moi qu'on fait boire ce caddie pourri. Donner au gars là sa victoire. Mais le système avait déjà le choix. Ils ont fait le chantage en Ngannou. Mais on comprend seulement qu'il a gagné. Donc lui-même n'était pas... La salle est devenue calme. Vous avez vu sa femme même était dépassée. Je sais pas. Wallahi, en fait, j'attendais une petite ouverture sur un petit malentendu. Et puis, gauche de Ngannou sur sa tête. Wallah, et puis là, il allait dormir. Le gars, sa tête a commencé à papillonner comme ça et tout. Et je vous ai dit, les enfants, que Francis allait allonger ce gars. Je vous ai dit que si Francis, une gauche touche le menton de ce petit, il va l'allonger par terre. Son épouse était dépassée parce que la façon que Francis Ngannou l'a tenu en échec, lui-même, il savait qu'il avait perdu ce combat. Parce que pour lui, ils ont dit non, Ngannou ne peut pas faire plus de 3 runes. Ganou ne peut pas faire ceci, Ganou ne peut pas faire cela. Ganou, c'est un amateur qui tient champion du monde en 10 rounds. Bêtises, des bêtises. Non, le Camerounais, franchement, vous êtes forts les Camerounais. On a vu aujourd'hui là, comment ces choses-là se passent. Bon courage à lui, quel qu'en soit, on considère qu'il a gagné. Ça là, c'est une victoire, c'est une grosse victoire. Déjà, décrocher le combat, c'était une victoire. Maintenant, venir résister, 10 rounds face à Fury. Champion du monde de poids lourd, double victoire. On sait tout et tout, c'est toi qui as gagné. Il n'y a même pas de médias à 14h, il n'y a pas de débat. Mais cette victoire-là, c'est une victoire physique. Au fond de notre cœur, nous, on te remet cette victoire. Je sais que beaucoup de gens vont réclamer cette victoire pour toi. Beaucoup de personnes ont compris beaucoup de choses et ils vont parler à ta place. Reste tranquille, lève les yeux et regarde le ciel de l'Afrique. Regarde le ciel du Cameroun. Pose la main sur ta poitrine et chante l'hymne national comme tu as l'habitude de le faire. Hier, c'était notre soirée. On s'est battu comme on pouvait pour arriver jusque-là. Chacun à son niveau, les enfants. Vous pouvez être fiers de vous. Cet accompagnement que vous avez fait, pas seulement à Francis Ngannou, je vous dis, à votre pays, le continent, parce que c'est ce que Ngannou était hier. Ngannou était tout le continent. Cet accompagnement que vous avez fait pour le continent, never. Gardez ce rythme. Quand on va arriver à Abidjan, ça va encore être plus explosif. Le docteur Moringa était un naturopathe le meilleur de sa génération. Ah bon? Si vous souffrez des maladies telles que le chlamydia, gonocorsie, syphilis, hépatite virale, sinusite, faiblesse sexuelle, frigidité chez la femme et d'autres maladies, contactez tout simplement le docteur Moringa. Il est la solution pour toutes vos maladies. Ok. Le docteur Moringa est situé à Yaoundé, rue Mangué, à 100 mètres de l'hôtel Mangué. Contactez le numéro qui s'affiche au bas de cet écran pour avoir plus d'informations. Ok. S'abonnez-vous. Quand vous êtes abonné, bien. Très bien. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Paye ou non? Ok. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.